Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hakim, madame, monsieur, bonjour. Al-Majid Tebboune, président de la République pour un second mandat avec 84,30% des suffrages. Les résultats définitifs ont été rendus publics hier par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État qui continue de recevoir les félicitations de ses homologues et autres dirigeants du monde, tous lui souhaitent plein succès dans sa mission. La présidentielle du 7 septembre a constitué une autre étape dans la consolidation de la pratique démocratique en Algérie. Déclaration du président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, à la veille de la Journée internationale de la démocratie célébrée ce dimanche. À Raza, une deuxième école abritant des déplacés bombardés par l'armée sioniste. Le bilan de ces dernières 24 heures s'élève à au moins une vingtaine de martyrs. Journée nationale de l'imam ce 15 septembre. Elle intervient à la veille de la célébration du Maulid Nabawi Sharif. Nous irons à Mostaganem où les festivités durent 12 jours à la Zawiya Al-Alawiya. Et puis sport football, Coupe de la Confédération et Champions League africaine. L'USM Alger, le Serbe l'Ouzded et le MC Alger ratent leur entrée en lice et s'inclinent respectivement face au Stade Tunisien, à l'AS Douane du Burkina Faso et à l'US Monastir. تعلن المحكمة الدستورية السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة ثانية. C'était le président de la Cour constitutionnelle qui annonce la réélection de Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays pour un second mandat. Il prendra ses fonctions après sa prestation de serment conformément à la Constitution. Omar Belhadj a rendu public les résultats définitifs de la présidentielle du 7 septembre après examen des recours introduits par les représentants des trois candidats en lice. Hanan Saïsi. Avec près de 8 millions de voix exprimées, Abdelmadjid Tebboune est réélu pour un deuxième mandat, soit une majorité absolue de 84,30% des voix. Les deux autres candidats, Abdel Ali Hassani Chérif et Youssef Aouchiche, ont recueilli respectivement 9,56% et 6,14% des voix. Les résultats, proclamés après une longue délibération pour l'examen minutieux des documents relatifs aux procès-verbaux des élections et les recours conformément à ses attributions constitutionnelles, la Cour a veillé à préserver les voix des électeurs et les droits de tous les candidats, relève le président de la Cour constitutionnelle. تذكر المحكمة الدستورية الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء. وبالنتيجة المحافظة على نزاهة وصحة وسلامة العملية الانتخابية كما حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحين وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية مما استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية التي توصلت بها من جانب اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. Les résultats définitifs seront publiés en détail au journal officiel Le Jour ADP. Et de nombreux dirigeants du monde ont félicité le chef de l'État pour sa réélection à la magistrature suprême. Dernier en date, le président du Ghana, Nana Addo Dankwa, qui a fait part de son souhait de poursuivre la coopération et le renforcement des liens d'amitié entre les deux pays. Le président de la République tchèque, Petr Pavel, s'est dit disposé à promouvoir les relations d'amitié entre les deux peuples dans divers domaines. La présidente de la Confédération suisse, Viola Amerd, a mis en avant les relations solides entre les deux pays et qui reflètent une coopération soutenue, notamment cette année au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, souhaite plein succès au président Tebboune dans son nouveau mandat et assure que l'Algérie trouvera toujours en l'Espagne un partenaire et un ami fiable pour réaliser la stabilité et la paix dans la région méditerranéenne. Autre message de félicitations, celui du président du Conseil européen, Charles Michel, qui affirme son engagement à travailler de concert avec l'Algérie pour renforcer des relations basées sur le partenariat, notamment sécuritaire et énergétique. Et enfin, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye, qui assure le président de la République de sa disposition à travailler dans le sens du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.
Des réactions également de la classe politique algérienne. Le MSP exprime ses voeux de plein succès et de réussite au président de la République élu. L'appelant à effectuer les révisions nécessaires pour réaliser une réforme politique profonde. Pour le RND, les résultats du scrutin reflètent la maturité politique des Algériens. On écoute son secrétaire général Mostafa Yahi. Ses propos sont recueillis par Hassan Chemesh. Les résultats du scrutin présidentiel traduisent la maturité politique du peuple algérien. Nous tenons également à féliciter le président Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection pour un second mandat. Nous lui souhaitons plein succès. Le peuple algérien est souverain. Le président Abdelmadjid Tebboune a été réélu grâce au peuple et loin des manipulations des lobbies qui voulaient déstabiliser l'Algérie. Le président du Front Al-Mustaqbel félicite le chef de l'État pour sa réélection et rend hommage à la Cour constitutionnelle. Il est contacté par Smaïl Mimouni. Le parti Al-Mustaqbel accueille avec satisfaction les résultats du scrutin présidentiel. La Cour constitutionnelle a pu maîtriser les chiffres et vaincre toutes les difficultés, notamment en matière de recours. Pour la première fois, la Cour constitutionnelle a revu les chiffres en toute objectivité. Ceci traduit la transparence du processus démocratique. La réussite de ces élections reflète le succès de l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'assurer la stabilité du pays, d'engager les réformes et mettre fin à toute forme d'ingérence. Et pour Fatma Zahra Zerouati, présidente du parti Tej, la réélection du président Tebboune n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un mandat, d'un premier mandat marqué de profondes réformes et réalisations, elle le dit à Maïel Kenz. Ce résultat est une preuve indéniable de la confiance renouvelée du peuple en sa vision et aussi sa capacité à diriger le pays. Tej est toujours convaincu que ce succès est le reflet d'une volonté collective de poursuivre la voie du progrès, de la stabilité et aussi du développement. Le président Abdelmadjid Tebboune a su, durant son premier mandat, affronter des défis majeurs et nous sommes convaincus que cette nouvelle période sera synonyme de continuité dans les réformes et les réalisations ambitieuses. Journée internationale de la démocratie, ce dimanche, l'occasion pour le président du Conseil de la Nation d'affirmer que la présidentielle du 7 septembre a constitué une autre étape dans la consolidation de la pratique démocratique en Algérie. Salah Koudjil souligne par ailleurs que l'Algérie nouvelle a renforcé son expérience démocratique en vertu de l'amendement constitutionnel du 1er novembre 2020. Pour le président de la Chambre haute du Parlement, la véritable démocratie n'est pas un slogan occasionnel utilisé selon les intérêts de certains pays pour effacer leur passé colonial peu glorieux, ni un prétexte pour s'ingérer dans les affaires internes des États et menacer leur stabilité, ni même un masque idéologique empoisonné, vite dévoilé par la barbarie, le génocide et de la colonisation des peuples. Goudil a cité entre autres l'occupation marocaine du Sahara occidental et les exactions commises par l'occupant sioniste à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Transition toute faite pour évoquer la situation dans l'enclave palestinienne. Selon le ministère palestinien de la Santé, pas moins de 29 Palestiniens sont tombés en martyr ces dernières 24 heures. 5 d'entre eux ont été tués lors d'une frappe aérienne sur l'école Shuhada Zaytoun qui abrite des milliers de Palestiniens déplacés. En une semaine, c'est la deuxième fois que l'occupant sioniste cible une école où se sont réfugiés des Palestiniens après celle de Nusayrat qui avait fait au moins 18 martyrs. L'ONU a affirmé que parmi les victimes figuraient 6 de ces collaborateurs. L'attaque avait suscité l'indignation du monde entier. L'Algérie a d'ailleurs appelé à une réunion du Conseil de sécurité pour évoquer le ciblage systématique des travailleurs de l'UNRWA à Gaza. Retour chez nous, c'est la journée nationale de l'imam ce 15 septembre, l'occasion de mettre en lumière son rôle et sa mission dans l'éducation et la transmission des valeurs et enseignements de l'islam, ainsi que sa contribution active à la préservation des fondements et constante de la nation et du référent religieux national à travers un discours modéré du juste milieu. Et pour leur permettre de mener à bien leur mission, les pouvoirs publics s'attellent à améliorer les conditions socio-professionnelles des imams à travers notamment l'élaboration de leur statut, Ibti Al-Adoun. Depuis sa promulgation, le statut a permis d'améliorer la situation socio-professionnelle des imams, notamment grâce à la revalorisation des salaires, selon Abdelhamid Hachadi, directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses. Ce statut lui a donné tous les droits reconnus par la fonction publique. Il faut bien noter que l'État algérien a été généreux envers cette catégorie en répondant à ses exigences concernant ce statut. Aussi, il faut reconnaître que cette catégorie d'imams et d'enseignants coraniques mérite aussi les efforts
ne vont pas cesser pour améliorer la situation et le statut de l'imam. L'imam est le pivot de la société. Au-delà de sa fonction religieuse, il joue un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Abdelhamid Hachadi. L'imam est le pivot de la société autour duquel se réunissent régulièrement les fidèles et plus particulièrement le vendredi où toutes les catégories de la société se rassemblent autour de cet imam pendant le prêche, un discours qui doit être rassembleur, qui prêche la droiture, l'intégrité, le juste milieu et qui fait appel à la paix, à la sérénité, à la stabilité de la société et du pays. Ce statut marque une étape décisive dans la reconnaissance du rôle clé des imams et dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Il reflète la volonté notamment des autorités d'accompagner cette fonction essentielle tout en répondant aux défis contemporains auxquels elle est confrontée. Et cette journée intervient à la veille du Maulid al-Nabawi Sharif. Les musulmans du monde entier célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fête religieuse consacrée aux prières et à l'invocation de la vie de Sayyid al-Khalq pour encourager la communauté à suivre ses enseignements. À Mostaganem, les festivités du Maulid ont commencé le premier jour de Rabi al-Awwal, troisième mois de l'année lunaire de l'Hégire. Elles se poursuivront jusqu'à demain, 12e jour de ce mois, date qui marque la naissance de notre prophète alayhi salatu wa sallam. Elles se tiennent à la Zawiya El Alawiya dans une ambiance empreinte de spiritualité et de dhikr, nous dit Yamina Hamdout. Dans cette confrérie soufie, les festivités commencent dès le premier jour de Rabi al-Awwal et s'étalent jusqu'au 12e jour. Moulay bin Tounes, le muqaddam de la Zawiya El Alawiya de Tijdid. On commence à faire des réunions de dhikr et de madh. Donc on chante le prophète, alayhi salatu wasalam, dès le premier Rabi al-Awwal. Donc on se réunit à la prière du Maghreb et on commence ce cérémonial par réciter la Hamziya de Cheikh Nabhani. C'est un poème de 1000 vers où Nabhani il raconte toute l'histoire du prophète. Des hadiths du prophète qui touchent différents aspects de la société sont également récités tous les soirs après la prière du Maghreb jusqu'au Isha avant de clôturer par le Sama' Soufi et des Douas. Pour le lundi, comme chaque année, après la prière de l'Asr, on fait notre procession d'Arad Tbouchir dans le centre-ville de Mostaganem pour renouer avec cette tradition mohammedienne et cette culture mohammedienne et ce message spirituel mohammedien vivant. A noter que la Zawiya al-Alawiya est fondée par le maître soufi Sheikh Ahmed bin Mustafa al-Alawi et compte dans ses rangs des adeptes des quatre coins du monde. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Jishan 3. Sport football pour terminer, Coupe de la Confédération, deuxième tour aller. Le SM Alger rate son entrée dans la compétition et s'incline 1-0 face au Stade tunisien. Les Rouges et Noirs doivent se racheter au match retour pour espérer rester dans la course. Alors que le CS Constantine s'est imposé à l'extérieur également face à Nsoa Streamen, 2-0. En Champions League africaine, le Serbe Blues Dead a lui aussi raté le coach en déplacement à Bamako face à la S-Douane du Burkina Faso 1-0 et tout comme le MCA qui a perdu face à l'US Monastir 1-0. Le Chabab devra renverser la vapeur dans une semaine à domicile. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Raïssa Abdelrahman. C'est direct à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, Hakim Bey pour la météo.